Et j'irai vers l'autel du Seigneur, Alléluia, près du Dieu de ma joie, Alléluia. Oui. Ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fécond. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu au siège de la justice et la maison de David. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Psaume 19.
Le Christ s'est levé du tombeau. Entrons avec lui au lieu de son repos. Te protège le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qui t'envoie secours. Il élève ton soutien depuis si long. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qui les exaucent. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répond. À les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Quand tu as prévenu de bénédiction de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'enfant. Tu lui as accordé la vie immortelle, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ton âme trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Le fruit qui portera de la terre, la semence d'entre les cristaux. Ont-ils famé le mal contre toi, et leur pleurant y auront mal dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre tu banderas ton arc.
Lève-toi, Seigneur, dans ta force. Nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Psaume 98. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. À ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. À ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Seigneur et roi, les peuples tremblent, ils montent les chérubins, la terre vacille. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'élève par-dessus les peuples, qui servent ton nom grand et redoutable. Il est saint, lui est puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. En Jacob, c'est toi qui agis. Exalté le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son marche-pied. Lui, Moïse, Aaron parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, en appelait au Seigneur. Et lui, Dieu, leur répondait. Dans la colère de nuit, il parlait avec eux, que gardait ses témoignages la loi qu'il leur donna. Lui, leur Seigneur et leur Dieu. Seigneur notre Dieu, toi tu leur répondais, Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leurs méfaits. Exalté le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Premier chant du serviteur, page 285. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai mis sur lui mon esprit pour qu'il apporte le droit aux nations. Il ne crie pas, n'élève pas le ton, ne fait pas entendre sa voix dans mes vues. Ne rends pas le roseau broyé, n'éteins pas la flamme vacillante. À coup sûr, il fait connaître le jugement, les îles attendent ses instructions. Il ne vacille pas, n'est pas broyé, tant que le droit n'est établi sur terre. Ainsi parle le Seigneur qui a créé. Lui qui a fermé la terre et produit sa végétation,
Je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main. Je t'ai modelé puis destiné à être l'alliance de la multitude. Je veux la lumière des nations, ouvrir les yeux aveuglés. Il est du cachot le prisonnier, le prison des habitants des ténèbres. C'est moi qui suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. Honorable Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. De Saint Éphrem au IVe siècle. Au désert, notre Seigneur multiplia le pain, et à Cana, il changea l'eau en vin. Il habitua ainsi la bouche des disciples à son pain et à son vin, jusqu'au temps où il leur donnerait son corps et son sang. Il leur fit goûter un pain et un vin qui passent pour éveiller en eux le désir de son corps et de son sang vivifiant. Il leur donna libéralement ces menues choses, pour qu'ils sachent que le don parfait serait gratuit. Non seulement il nous a donc comblés gratuitement de ses dons, mais il nous a entourés de sa tendresse. Il nous a donné ces menues choses gratuitement, afin que nous allions et recevions gratuitement cette chose si grande qu'est l'Eucharistie. Ces morceaux de pain et ce vin étaient doux au palais, mais le don de son corps et de son sang est utile à l'esprit. Comme premier signe, il fit un vin réjouissant pour les convives, afin de manifester que son sang réjouirait toutes les nations. Le vin intervient dans toutes les joies, et de même, toutes les délivrances se rattachent au mystère de son sang. Il donna aux convives un vin excellent qui transforma leur esprit pour leur faire savoir que la doctrine dont il les abreuverait transformerait leur cœur. De même, en un clin d'œil, le Seigneur a multiplié un peu de pain. Il a prouvé la force pénétrante de sa parole à ceux qui l'exécutaient, et la largesse avec laquelle il octroyait ses dons à ceux qui en étaient les bénéficiaires. Ce n'est pas à sa puissance qu'il a mesuré ce miracle, mais à la faim de ceux qui étaient là, et mesuré à la faim de milliers de gens, le miracle a dépassé les 12 corbeilles. Chez tous les artisans, la puissance est inférieure au désir des clients. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'on leur demande. Les réalisations de Dieu, au contraire, dépassent tout désir.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira, tout seul, dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est notre voix, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur. Aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il s'élève avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Servons Dieu à notre Père Abraham, ne nous donner qu'à franchir la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Et annoncera son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. En gloire.
Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Oh Dieu, nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous